Et yo tout le monde, c'est Alcabar! Et oui que c'est Alcabar! Bon, je vais me calmer parce que mes voisins ils vont encore péter un câble. Yo tout le monde, c'est Alcabar! Et voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, je suis de retour. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, bien évidemment. Du coup, voilà, je tenais à faire une vidéo pour expliquer toute mon absence et ce qui s'est passé. Surtout que voilà, je vous ai absolument rien dit et je suis parti comme ça, parti sans motif, sans me dire. Bref, d'abord je tenais à vous saluer tout le monde, hein, ça c'est normal. Et on va commencer par un thème. En fait, je vais vous expliquer toute mon absence en plusieurs thèmes. Vous verrez tout au long de la vidéo, mais je vais essayer de faire vite, histoire que la vidéo ne dure pas longtemps et tout ça. Bref. J'ai tout organisé là, j'ai mon petit bloc-notes. Et voilà, on est parti. Installez-vous bien, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans l'espace depuis... Bah, ça fait limite un an. Non, beaucoup plus qu'un an. Et voilà, je suis parti comme ça. Et voilà, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe. Enfin, pourquoi j'ai arrêté YouTube depuis un an. Et ben, en fait, le truc, c'est que... Juste, j'avais la flemme les gars. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, enfin régulièrement et depuis longtemps, eh ben vous savez très bien que j'ai beaucoup la flemme. Et surtout que j'ai arrêté YouTube parce que voilà, ça me plaisait plus. C'est pas que mes abonnés ne me plaisaient pas ou quoi, c'est surtout que YouTube ne me plaisait plus. Ça a commencé à devenir nul, YouTube pour moi, je sais pas. Mais derrière, il y avait une communauté. Et tout ça, et je me suis dit, on va se relancer. D'ailleurs, je me suis relancé dès que j'ai eu mon micro, mais je vais vous expliquer ça plus tard pour ce micro. Pourquoi est-ce que j'ai recommencé YouTube? Déjà, bah, c'est pour vous. Surtout parce que je peux vous dire que tous les jours, j'avais au moins un message. Pourquoi t'as arrêté YouTube? Reprends, s'il te plaît. Et une fois que ça s'accumule, au début, j'y prêtais pas beaucoup attention parce que je me suis dit, c'est bon, j'ai arrêté, et voilà. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à vraiment me turlupiner, comme on dit. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas recommencer YouTube. Après, je savais que ça allait être galère. Là, par exemple, je m'attends vraiment pas à 1000 vues sur cette vidéo. Ni même pas à 500 vues. Je m'attends à un bête 100 vues sur cette vidéo. Parce que j'ai été inactif pendant un an et quelques. Et du coup, c'est un peu chaud de rattraper tous ces abonnés. Mais bon, je m'en fous un peu. Moi je veux reprendre, voilà on s'en bat les couilles derrière. J'ai juste repris et ça me fait plaisir. Du moment qu'il y aura une seule personne qui regarde au minimum, bah je vais continuer YouTube, ouais, moi je m'en fous. Bref, tout ce qui était du côté du passé, on en a parlé, on finit. Si vous avez d'autres questions, c'est dans les commentaires. Maintenant on va passer à un sujet très sérieux. Et je vais vous demander de bien écouter ce sujet. Et voilà. Sur le partenariat, en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais enfin sûrement pas ou peut-être. En tout cas, j'ai été très choqué des retours. En gros, je suis passé en partenariat avec une marque qui s'appelle OK, vous connaissez sûrement. D'ailleurs, le micro que je vous ai présenté de la marque OK. Et en gros, je suis en partenariat avec cette marque, mais je vais vous expliquer un peu le partenariat. C'est pas vraiment un partenariat. Mais avant ça, je tenais à vous dire que vous étiez super. Parce que tout le monde me disait que j'allais me faire insulter et tout. Parce que je suis un youtubeur très petit quand même. Comparé à certains youtubeurs. Et faire des partenariats, surtout ici, enfin, tout ce qui est francophone et tout ça, les gens n'aiment pas trop. Mais je sais pas, je vous ai fait confiance. C'est vraiment, il y a zéro personne qui m'ont critiqué ou quoi. Dans tous les cas, je m'en bats les couilles. Mais ça m'a vraiment étonné. Et voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mon partenariat. En gros, j'ai envoyé un mail à OK pour qu'il m'envoie des produits. En fait, j'avais pas de micro et OK a accepté le partenariat. Et en gros, ils m'ont demandé quel produit je voulais avoir. Je leur ai demandé ce micro avec lequel je parle. J'en ai fait une review à l'autre vidéo. Et en gros, je l'ai eu gratuitement. Et je me suis dit, putain, si je peux avoir des trucs comme ça gratuitement, pourquoi pas? Et sûrement que vous aussi vous aurez dit ça. Et dans tous les cas, enfin je m'en bats les couilles franchement. Ben, vous avez qu'à me critiquer, franchement je m'en bats les couilles, moi je suis bien. Et mais il n'y a personne qui m'a critiqué pour ça. Enfin j'ai vu personne. Et franchement je suis très content.
Et voilà, c'était ça. En gros, je suis en partenariat et je vais peut-être vous faire gagner quelques trucs. Il faut savoir que maintenant, je vais commencer l'unboxing du mois grâce à ce partenariat. Et je veux unboxifier. Ça se dit pas, mais on s'en bat les couilles. Unboxifier un peu blindé de produits chaque mois. Et là, j'ai commandé quelques petits produits quand même. Mais franchement, intéressant. Et peut-être que je vous les ferai gagner. On sait jamais. Maintenant. On a presque fini et maintenant on va parler du futur, le futur intérieur et le futur simple. Non, je rigole bien évidemment, c'était pas marrant. Ce que je pense de l'avenir de ma chaîne, déjà ça va être très dur pour reprendre le même rythme qu'avant. Enfin, pas dans le sens des vidéos, mais le même rythme de vues. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, je faisais énormément de vues pour un petit youtubeur. J'avais beaucoup de chance à l'époque et là ça va être très chaud de me rattraper, mais bon on s'en bat les couilles un peu, mais quand même faut atteindre un certain objectif, hein. Faut pas laisser tout ça derrière et quand même aller de l'avant, enfin on doit pas stagner quand même. C'est quand même un mini objectif que j'ai en moi de toujours monter, c'est amusant et pour moi je trouve que YouTube c'est un peu comme un jeu et j'aime bien ça, mais dans la réalité. Bref, ce que je vais faire maintenant, d'ailleurs on a fini ce petit chapitre de ce que je pense, je pensais pas beaucoup, je voulais juste vous parler de ça. Maintenant ce que je vais faire, les trucs à venir sur YouTube, il y a beaucoup d'émissions, enfin, de petites séries que je vais vous préparer, pas des séries télé ou quoi, mais des petites séries sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir, l'Alcabar vous en parle pour les anciens. Je vais continuer à faire ça et je vais vous sortir du nouveau. Et ce qui concerne Garry's Mod, parce que beaucoup de gens de ma communauté aiment le Garry's Mod, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à en faire. Pour ce qui est de mon serveur, bah, il est fermé et je pense pas ouvrir encore un serveur. Après, ça sera à venir, mais ça coûte vraiment énormément d'argent. Et surtout que le temps, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais on va quand même essayer et on verra bien. Mais en tout cas, le Garry's Mod, c'est pas fini, mais il y en aura moins. Et il y aura aussi un nouveau jeu qui viendra, c'est League of Legends, parce que j'ai commencé à y jouer. Enfin, en fait, je joue à ce jeu depuis très longtemps et j'aimerais vous en faire des vidéos et vous partager du League of Legends. D'ailleurs, le gameplay que vous verrez à la vidéo, ça sera du League of Legends et j'espère qu'il vous plaira d'ailleurs. Et voilà, alors, je sais que les vidéos League of Legends ne vont pas faire énormément de vues, mais bon, on essaiera quand même. Je fais pas ça pour les vues et surtout pour faire ce qui me plaît et tout ça. Ce qui concerne la régularité des vidéos, surtout que je suis en vacances, là je vais vous préparer énormément de vidéos. Je vais pomper les vidéos comme on dit, pump it up. Et je vais vous préparer énormément de vidéos, mais je vais essayer de bien les travailler quand même parce que sinon c'est dommage, hein, n'est-ce pas? Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. J'ai pris 8 minutes. Putain, avant je prenais 20 minutes pour ça. Je suis fier de moi, j'ai fait vite. Et voilà, j'ai un peu débriefé tout ça rapidement les gens, mais franchement, j'ai rien d'autre à dire. Et voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou sur ma page Facebook dans la description. Et voilà, c'était tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours, voire demain, hein, on sait jamais. C'était Alcabar. Au revoir!